Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons le chercher pour tel baou, Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas 25. Nous avons une vidéo, prêtez-nous Géo Axoré ou prenez Tichès Baou, invitez 2-3 amis qui sont bien cagés sur le temps d'IA. Nous avons un peu de fin cap fait. Fin cap fait. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure ou pas regarder vidéo ça. Pas oublier que vous sous Marchandise Haïti. Déjà, nous sommes mercredi 8 janvier 2020, mais nous allons porter information qui a rapport avec journée et mardi 7 janvier 2020, côté gagné en pile gros bout de tonton information. Presque nous pral poté pour là. Gros point cap dominé actualité a, ULCC mandé pour tout employé l'État yo, takou sénateur, député, etc. pour yo vin déclarer bien que yo gagné nan yon délai qui pas dépassé 31 janvier 2020. Paquet tribunal, première instance, dossier kidnapping, juge Merlan Belin mandé pour lever immunité sénateur Gracia Delva. Bandi ak bal criblé yon juge de paix en babal, gen Reginald Boulos qui mandé yon compromis historique entre acteurs politiques yo. Nan actualité internationale là, Iran fait frapper yon base militaire américain dans pays Irak. Donc c'est tout gros présent nous pral développer pour yon bulletin information, journée jeudi mercredi 8 janvier 2020. Avant d'entrer dans le détail, nous allons montrer comment pour abonner avec Chanel là. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandise Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là où fin abonné, voyagez à droite écran ou après yon petit cloche. Là fin peser petit cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Bouik chargez pas campagne après un gros point cap dominé actualité. Donc pour moun qui va jouer notification, toujours venez checker vidéo sur YouTube, sur channel là. Parce que m'baron de ça qui a passé qui fait YouTube, pas voyez notification par moun. Donc sans parler en pile, on rentre dans gros point cap dominé actualité. Dans mi-temps journée jeudi, mardi 7 janvier, mardi exam. Criblé en juge de paix en babal, Antoine Lucius. Dans le moment, l'étape saute prend $2,000 américains dans une banque commerciale. Eh bien, bandit sous moto, ouvert coup de balle sous lui, ou prend corps dans mel, il prend zam juge là, moto là, avec téléphone portable, juge là, qui t'a essayé résister selon information, mais lui, pas, bandit ou pas, bah, M. Chance, hélas. N'a pas rappelé au juge Antoine Lucius, t'es suppléant dans le tribunal de paix dans Pétionville. Et c'est juge Jean, et Kessner Lapointe, qui c'est, juge de paix, quoi, d'émission, qui t'es by l'autre pour lever quoi après constat légal, yo. Dossier corruption, donc directeur général unité lutte contre corruption en pays d'Haïti, M. Claudie Gassan, t'es rencontré la presse. Journée jeudi, mardi 7 janvier 2020, dans le local institution, lui-même était présenté. Donc, provision légale la loi Bali pour le travail. Et lui-même li bail un délai de 31 janvier pour tout employé l'État, sénateur, député, etc. pour tout net vin déclarer. Bien que yo gagné, donc si yo dépassé date ça, en tout cas plus de détails. ULCC tout, c'est question déclaration patrimoine. M'a tout profité pour un coup de chapeau pour député pour Magoa. Lui même qui t'a fait toute ça, il était capable pendant fin année, mois de décembre, pour le venir chercher déclaration, formulaire de déclaration de patrimoine. Lui même, en l'espace de 3 jours, il a rempli palier, déposé, etc. Et nous voyons que y a un pile député qui t'a fait des marches ça tout. Nous pensons que pour chaque député, il y a seulement près de 100 déclarations qui allaient, qui étaient ici. Hein. Et dans pas de bravo pour tout le monde, pendant le mois de décembre, c'est arrivé, fait que il y a plus que 300 formulaires de déclarations de patrimoine qui arrivent sortis dans l'ULCC. Nous disons tout le monde, dans la fin du mois de janvier, 31 janvier, nous attendons tout le monde, et c'est le dernier délai que nous baillons, pour que tout le monde remplisse et fasse déclaration de patrimoine. Non, et nous précisons qui monde. Depuis son monde qui a une relation avec l'État, depuis qu'il a une relation à chaque l'État, à comme l'État, à bien l'État, nous parlons particulièrement des agents publics. Les agents publics fonctionnaires et fonctionnaires, nous parlons d'employés de l'État, nous pas faire distinction de rang, de grade, nous pas besoin de qui nous sommes, ce n'est pas nous-mêmes. Nous parlons dire que tout ça que nous parlons là, Yoshita sous base de la loi. Donc, sénateur, député, ministre, premier ministre, président, et commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde qui connaît. Par exemple, nous avons demandé, est-ce que policier ou là-dedans? Oui ou là-dedans? Des bons employés de l'État?
ou gérer comme l'état tant pis s'il plaît viens faire déclaration patrimoine pour nous connaître mais des fois travailler dans l'état pour nous connaître nous-mêmes l'autre apporter dans fonction ça comment entrer et pendant la fonction par rapport à train de vie quoi mener et comme quoi toucher la fonction comment faire que ou gain tant riche tout riche ça donc nous pas dit que monde doit riche nous pas dit que monde doit gain comme ou capable gain comme ou capable posséder tout ce que mais sauf que faut pas gagner aucune trace qui sorti dans l'état qui t'a montré que c'est ta comble l'état qui t'a permettre que ou gagner toute richesse ça nous pas dit salaire ça l'on capable faire tout ce que avec salaire mais nous parler comble qui sorti dans l'autre façon qui sorti par dans route corruption donc c'est ça qui fait que n'a pas une félicitation pour le ministre finance non qui t'a écrit nous t'a demandé un délai et ça fait comme nous bail ministère des finances yon délai jusqu'au 31 janvier nous bail sénateur député ministre premier ministre s'il vous plaît commissaire gouvernement yo juge yo magistrat communal yo tout monde net qui assujetti à question des garçons patrimoine là tant pis s'il vous plaît 31 janvier on fait pour qui ça on fait parce que ça permet que l'état a un meilleur contrôle de ça qu'a fait ULCC a une meilleure compréhension tout pour capable de manière là dit plus efficace prévenir ça relé question corruption. Nous avons dit tout, parti ça extrêmement important. Il y a un pile gros autobré qui prend l'élection. Quelle élection présidentielle, quelle élection sénatoriale, n'importe quelle élection qu'on va aller. Dans la prochaine élection qui va venir là, nous tout disons, il y a passé 4 ans dans le Parlement, il y a passé 6 ans, il y a passé 2 ans, quel que soit le temps où passé, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme président de la République au niveau de l'exécutif. Tout le monde, tant pis. Avant d'aller, nous t'a pensé pour nous dans l'élection encore, songez que pour nous passer dans l'ULCC, un petit certificat que nous avons, ni l'un d'entre entré en fonction, ni l'un d'entre sorti, c'est un mois pour finir en fonction, un mois pour finir quitter. Donc, n'attendons-nous avant d'aller dans l'élection pour que nous passions là. Et ça fait nous pouvons le proposer, et il était là déjà. Mais nous pouvons insister sur lui pour que dans la prochaine élection, nous pouvons le faire. Pour que tout le monde soit là, pas seulement les gens qui sont dans l'État, qui sont dans le poste électif. Les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont dans le gouvernement, tout, moi, c'est aussi mon bail qui a développé, mon tendance qui a développé, côté que nous avons des magistrats qui sont très, très portés pour aller dans l'élection. Nous avons demandé tout. Et nous remarquons qu'il y a un pile de monde dans la magistrature qui n'a pas fait déclaration. Nous avons demandé tout le monde pour faire ça. Parce que dans la dernière élection qui s'est passée, la loi électorale a été prévue. Il était prévu. Mais je trouve que il y a des autorités très influentes, des personnalités très influentes, nous avons fait personnalité, qui te font en sorte que nous mettons en disposition transitoire, etc. On dit que bon, prochaine élection, il y a fait. Loi 2008 en clair sur ça. Nous avons un quatrième volet, nous avons parlé de l'état de l'air, c'est question, par exemple, et investigation. C'est parti ça qui a un pile problème dans le pays. Nous n'avons pas quelques autorités qui ont parlé, nous-mêmes, nous n'avons pas l'entrée dans la démarche pour nous répondre. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher une raison. Nous avons rien de bagarre à dire. Tout ce que nous avons dit là, et nous avons dit encore, Yoshita, sous pilier ça, que nous avons dit. Gagner la Convention des Nations Unies contre la corruption. Gagner la Convention interaméricaine contre la corruption. Nous avons tout, loi 9 mai 2014 là. Et puis nous avons un décret 8 septembre 2004 là. Pilier ça, c'est sur eux nous baser nous pour que nous fassions tout ça que nous avons fait et c'est eux-mêmes qui référencent nous seulement. Moi-même, je n'ai pas signé la convention et en Haïti, je n'ai pas négatif en quelle convention et même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, tout le monde comme ça. C'est monsieur le député, monsieur le sénateur encore qui votait la loi ça, 9 mai 2014, là, qui dit que dans la question de corruption, il n'y a pas fait différence entre grade. Niveau, question autorité, question rang, il n'y a pas fait différence dans ça. Il y a un pile de déclaration d'entendre, il y a un ministre qui dit qu'il n'y a pas de oui, il y a pas. Loi que, vraiment, convention côté signé, permet qu'il y a pas. Loi 2014 là, qui vote dans le Parlement, permet qu'il y a pas. Il y a pas le ministre, il y a pas le premier ministre, il y a pas le commissaire gouvernement, il y a pas le juge, il y a pas le président pour la cassation, il y a pas n'importe qui. C'est loi que, Parlement, eux-mêmes, députés, sénateurs, 2014, 9 mai, c'est eux-mêmes qui votent. Je veux dire, nous ne comprenons pas comment que loi au fin voter, nous-mêmes n'avons pas appliqué la loi aux gens, nous avons appliqué la loi, et puis nous n'avons pas l'appel. Par exemple, on dit, pour les gens qui ont fonctionné l'État pour occuper, et pour les sociétés qui ont fait sous-côté, pour les machines, l'État,
ou bien société pour organiser manger ou bail d'état. Nous pas dire que pas rien doit faire, mais nous va regarder est-ce que le pas un problème là-dedans, est-ce que le pas un problème corruption là-dedans. Sur question investigation, nous va donner. Mais rôle ULCC. Ça c'est pas si compliqué. ULCC gagne un équipe investigateur qui là pour faire enquête. Et enquête ça yo, comment enquêter ça arrive sur yo pour arriver à faire enquête. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que les gens qui t'avaient dit ULCC pour faire enquête. Non, ça peut arriver. Il y a des gens qui croient que il faut que tu aies une dénonciation. Oui, ça peut arriver. C'est une invasion toujours. Mais ULCC, pour qu'on te parle, la loi fait l'obligation pour que lui-même l'entrée dans l'administration de l'État, pour que lui-même lui aille tout côté que, par exemple, des compagnies, c'est des gros compagnies qui signent un contrat avec l'État, ULCC, il y a une obligation de rentrer, à le garder pour le dépister. Il y a des gens qui parlent de diplomates. Nous-mêmes, nous n'avons pas gagné diplomate haïtien en Haïti. Nous gagnons diplomate accrédité, diplomate étranger qui accrédité en Haïti. Mais en Haïti, nous-mêmes, diplomate par New York, diplomate à l'étranger, le, nous-mêmes, pour nous-mêmes dans l'ULCC, nous sommes des agents publics, des fonctionnaires. Et je vais tout dire rapidement que les diplomates que nous avons attendu dernièrement, ça, que nous n'avons pas besoin de faire un état sous CASA spécialement, qui est en cours d'enquête, que nous ne pouvons pas parler de lui, nous préférons attendre tout le monde qui a parlé de lui, le monde qui met au parler de lui. Et ils sont à la disposition de l'ULCC suivant, et par exemple, une lettre que le ministre des Affaires étrangères, finalement, a été écrit une note pour demander pour mettre à disposition de l'ULCC. Et jusqu'à présent, ils sont à disposition de l'ULCC. Même ministère à tout, et vos notes dans nous, côté qui ont été informés, nous, que diplomates, ils sont à la disposition de l'ULCC et nous-mêmes, nous recevons comme des agents de la fonction publique. Et l'ULCC gagne compétence sur tout le monde. Tout le monde indistinctement, quel que soit rang, quel que soit niveau, pour yo enquêter sur vous et nous capables de faire un dépistage. Parquet tribunal première instance dans Port-au-Prince, juge Merlan Bel a demandé pour lever immunité sénateur Garcia Delroat dans le dossier kidnapping citoyen qui est Jean-Noël Michel qui était fait dans la date 14 mars 2019. Après une enquête qui était dirigée plusieurs mois, j'instruction finalement sous ordonnance li mandé pour Sénat, République Laval autorisation. Pour poursuivre sénateur Garcia Delva. L'ordre ça a été baillé en date 12 décembre 2019. Et enquête là confirmé que y a été retracé téléphone sénateur Garcia Delva dans audition pour Cerverbourg. Donc, sénateur, dans confioso. Dans le document ça, magistrat a examiné l'ordre communication et transmission l'ordre ça a baillé président sénat pour autoriser poursuite judiciaire personnelle sénateur Garcia Delva. Et Garcia Delva, Garcia a déclaré côté parle, il dit que moi content à Claude Saha, donc c'est une opportunité en loi offrir pour me capable jamais te vouloir apparaître directement devant un juge dans quatre dossiers ça. Moi va l'écrire magistrat rapide pour m'informer sous disponibilité moi et Garcia Delva lui-même lui continue pour le dire que moi gain la foi dans justice pays moi et moi paré pour me répondre question yo pral poser. Réginald Molos, lui-même, bon côté parle, lui mandé un compromis historique entre acteurs politiques, yo. Dans une lettre, lui publié pour la presse, ça y est, 6 janvier, qui était disponible sur compte Twitter, lui. Responsable mouvement troisième voie, mandé pour gagner un bon genre dialogue entre acteurs politiques, yo, pour pas poser vrai problème, cap brasser bill pays, ya. Dialogue, ça, selon Réginald Molos, c'était lui chita, sous problème contrebande, lutte contre corruption, mettez campé yon nouveau conseil électoral, yon l'autre constitution, mais avant ça, faites fort pouvoir en place là, libérer tout prisonnier politique yo, et puis mettez yon bout à répression la police avec la justice a fait. Lettre là continue pour demander opposition an pour venir avec yon l'autre stratégie, pour yon chita ensemble, pour mettre base, et pour gagner un bon genre de négociation qui fait bagaille doit changer pour nouvelle année ça, mais d'après le ça, c'est seulement non dialogue ça capable fait. Juge Jean-William Morin qui c'est président en Amara lui-même lui mandé l'état haïtien pour déplacer local palais justice là qui dans bicentenaire à cause problème insécurité qui déjà la cause plusieurs avocats victimes à la mort yon huissier. L'année 2019 a été une mauvaise année. Et sur tous les plans, particulièrement la justice qui va arriver de travail à plein rendement. Et en effet, 31 décembre 2019, là, il y a une opération policière qui t'a mené au niveau de bicentenaire, particulièrement les zones cité de Dieu, village de Dieu. Donc il arrive que tu aies un huissier sur la cour de la palais de justice là,
il recevoir une balle, les victimes d'une balle, et M. Maurice sur le coup. Ce n'est pas le premier monde, ni le premier personnel judiciaire qui mourit dans la zone. On se le rappelle, il y a un huissier qui était pris en balle dans le pied, puis il a commencé à infecter, l'aller à l'hôpital au Fatma. Le ministère de la Justice n'a pas fait rien pour t'aider, pour te subvenir à besoin, ni pour et payer soin. Donc, c'était famille avec des particuliers qui t'aident. Il y a un substitut du commissaire du gouvernement qui t'a pas le travail. Il y a quelqu'un sur la route là, il y a dépouillé de bourse, de téléphonie et même de documents qui ont gagné pour le travail. Sans omettre, il y a un délégué de ville ou un casé, je ne me rappelle pas exactement, qui lui-même a été tiré pendant la sortie dans le tribunal là. Et la liste est longue, n'a pas besoin de citer de manière exhaustive. Mais quittez nous dire que nous toujours à tirer sonnette d'alarme pour nous dire, et le ministère de la Justice, et le CSPJ pour prendre les mesures nécessaires pour déplacer le tribunal. Mais jusqu'à présent, pas les oreilles qui tendent. Donc, dernière victime, ça, nous capable de dire c'est le clou. C'est une goutte d'eau qui fait totalement renverser le vase-là. Et nous autres de l'Association nationale des magistrats haïtiens, nous sommes condamnés à ça et nous demander que la police judiciaire est capable de saisir le dossier aussi rapidement que possible pour mener une enquête, pour être capable d'arriver à procéder à l'arrestation de Mounsayo qui a assassiné l'huissier et traîner devant le tribunal là pour le juger. Autre chose, nous souhaitons que rapidement il y ait des mesures qui prennent pour déplacer le tribunal là. Pourquoi ça nous dit déplacer le tribunal là? C'est parce que le tribunal première instance de Port-au-Prince passait plus de 7 mois dans l'année judiciaire et pas de travail. Premièrement, nous avons gagné une contestation qui était faite pour te faire partir un commissaire gouvernement qui lui-même te permettre que un policier te rentré dans ce tribunal là vienne battre et personnel yo te vienne battre avocat. Deuxièmement, gagné association de magistrats yo qui te yo même pour des revendications que te gagné te mandé un arrêt de travail et vienne joindre toujours gagné de turbulences politiques, des protestations politiques, des manifestations de rue et sans omettre l'affaire Anel qui vient de bail et on paralysie totale au niveau du bicentenaire et ensuite qu'on y a bicentenaire là qui sont en zone qui n'est pas fréquentable. Donc, pas quoi on a besoin de service public pour aller chercher en bas parce qu'on part on essaie de remonter la caillou. Matin, en comptant dans les stations de radio, on dit que monsieur est occupé là où il y a en bas. Donc, le tribunal là, au cœur d'une zone et de l'endroit, et la police lui-même, qui est monopole de la violence légitime, la police lui-même, qui a des armes, qui a toute stratégie, la police pas arrivé délogé au 31 décembre, et nous capable de dire que la police a fait un échec dans l'opération policière. Non, ça qui est pour avec nouvelle internationale, tension entre pays États-Unis avec Iran, eh bien, Iran fin attaqué deux bases, qui gagnent, soldats américains, qui gagnent troupes américaines, dans le pays Irak, deux bases militaires, côté, ils ont tiré environ 12 missiles, bagay tête chargée. En tout cas, pour qu'on gagne, bilan de victimes, yo pour qu'on évalue des dégâts, en tout cas, n'a pas pour nous venir avec plus d'informations sous dossier ça. En tout cas, bah, yo vraiment, et est-ce que tonton Sam pralrité des bras croisés après attaque ça? Donc, nous pralrité suivre pour nous voir qui ça cap venir après, donc qui ça cap dit dans dossier ça. Déjà, m'a dit tout le monde, bye bye, rendez-vous à la prochaine pour une autre news.